Hey man, it's the Furious Duck, also known as John Smith. I'm gonna ride this cruiser, yeah. Let's go, baby. Yeah, motherfucker. My nickname is Small Dick, motherfucker. Look, la clé sans contact. Non, Ducati. Faut monter, ok. Nous commençons en mode touring. Oh, le guidon, comment il est haut. Merci Bike Avenue qui nous prête gentiment cette moto à 27 000 euros. Le concessionnaire Ducati KTM. Ah oui, en fait, je suis français, je suis pas américain, je sais que bon. Je vous ai encore fait une feinte, hein, entre... En fait, je suis trilingue, je vous l'ai pas dit, je suis franco-espagnol-americano. Donc nous sommes sur la nouvelle Ducati Diavel. Waouh, cet engin de mort. Alors, quelque chose à savoir, 27 000 euros. Nous sommes sur le moteur V4. Donc le moteur V4 basé de la Panigale, hein, on se rapproche plus du moteur de la Multistrada. Donc au revoir le V2, c'est bon, bonne chose, mauvaise chose, je sais pas. On va découvrir ça en roulant. Hein. Pour moi, tout ce qui est typé cruiser, bon forcément, hein, c'est, je dirais plutôt V2, mais bon. Donc quand même une moto assez intéressante. Bon allez, on va faire quelques spécificités. Hein. 170 chevaux, 224 kg, tout plein fait, 224 kg. Mais c'est léger les gars. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi léger. De l'électronique. Par dessus la tête, c'est bon maintenant. Je pense que je vais même plus trop parler d'électronique. On sait tous à quoi s'attendre. Hein. On a voilà l'ABS dans le trash control, les modes de conduite, le nanani, l'anti-wheeling. Et oui, je vous rassure, l'anti-wheeling est pratique sur cette moto. Faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce que on a un super long empattement, on a un super gros pneu de 240 à l'arrière, qu'on n'a pas besoin d'un anti-wheeling. Cette moto lève. Bon, je dirais pas c'est une machine à lever avec l'embrayage, hein, mais sur l'accélération pure et dure, ça lève. Je vous rassure que ça lève. Alors, c'est rétro, un peu dégueulasse. Enfin, visuellement, ils sont jolis, hein, ils vont avec le style, mais c'est bien pour mater son coude, quoi. Bon, écran TFT 5,5 pouces, je crois, comme ça, à vue d'œil, je dirais que c'est du 5,5, ça semble assez standard, c'est pas un grand écran, mais c'est pas un petit écran. Je vais être très honnête avec vous, j'ai pas fait énormément de recherches sur cette moto, je n'ai jamais conduit une Diavel. C'est des motos qui m'ont toujours intrigué, parce que forcément, les gens, ils disent, waouh, c'est ultra efficace, faut pas penser que le... Ah ouais. Ok, première ouverture, ça promet. Ouais, c'est pas parce qu'il y a le pneu de 240, c'est hyper agile et tout. Oh, le frein arrière. Oh. Ah ouais, putain. Oh. Ducati a un bon frein arrière. Qu'est-ce qui s'est passé, Ducati? C'est censé être une moto agile malgré ce gros pneu de 240 qu'on a à l'arrière. Hein. C'est censé être vraiment quelque chose d'efficace. Donc on va confirmer en roulant. Hein. Forcément, après, on a tous les gadgets, on a le régulateur, on a tout ça. Vraiment, l'électronique, voilà. On a le package, il n'y a rien qui manque. Poignée chauffante, peut-être. On va pas pouvoir trop souder aussi la moto, elle a que 200 bornes. On
en a, dans toutes les mises à jour qui ont été tous les mises à jour qui ont été faites sur la Multistrada, on retrouve sur la Diavel par rapport à tout ce qui va être l'économie et la chaleur. Donc c'est-à-dire, c'est un V4, mais si on se met sur régulateur, on a vitesse constante ou on est à l'arrêt, en fait on a les deux cylindres arrière du V4 qui vont s'éteindre et en fait on va tourner que sur du bicylindre. Ça va être un bicylindre en ligne quoi en fait finalement. C'est que je trouve assez rigolo d'ailleurs. Je te dis, t'es sur une Diavel, c'est un bicylindre en ligne. Donc là par exemple je suis à l'arrêt. Et si t'écoutes bien, effectivement ça sonne un peu plus comme un bicylindre en ligne quoi. Il n'y a plus trop ce bruit de V4. Et en fait c'est entièrement dynamique. Toi en fait tu ne remarqueras même pas que tu es en bicylindre. Donc cette technologie est quand même vraiment cool parce que ben un peu voilà, on retrouve souvent les mêmes critiques sur les Ducati. C'est ça chauffe et ça consomme. Surtout que bon, la Multistrada, il y a un an, quand j'avais fait la vidéo, quand elle était sortie, une de mes critiques, c'était la conso. Ça pompait l'eau, mais waouh ! Comme moi, je bois les bières les vendredis soirs, quoi. C'est litre après litre, ça consomme. Bon, à voir si c'est le jour et la nuit. Mais bon, normalement, en termes de consommation, là, tu vois, je vois 6,5 litres au 100. 5,3 selon le régime. Là j'ai, on va voir si je mets en 3,50, tu vois je suis à 5 litres au 100, ça consomme bien. Si j'augmente un petit peu, on va passer un peu plus tard à 80, mais bon ouais, on va peut-être faire c'est 80 km/h ici messieurs les gendarmes. 80 en 3, je passe en 4, on va voir. Ouais, on est à 5 litres, donc vraiment sur la consommation sur un régime constant, ça semble être pas mal. Elle semble être vraiment bien sur l'essence. Ça a l'air d'être un beau progrès. Après, bon, quand on va commencer à ouvrir en grand, forcément, on va retrouver du, voilà, de la consommation, enfin l'essence qui va partir plus rapidement. Là, j'ouvre en grand, tu vois, j'ai vu un 9 litres au 100. Bon, ça reste un V4 de 170 chevaux. On n'achète pas ça purement pour être économique sur l'essence. Et puis c'est une moto, merde, si vous voulez un truc économique, vous achetez une voiture. Voilà. Vous me faites chier avec votre économie d'essence. D'ailleurs, au prix. Bon, bref. Si on t'achète une Tesla, voilà. Bon, prochain point. Bon. Première chose qui m'a étonné en partant, c'est même pas la position, parce que bon, on est sur une position que j'appelle position chaise de table. C'est. Voilà, t'es comme. T'as l'impression d'être à table, t'es une chaise, t'es droit. Tes pieds, tes jambes sont en angle droit quasiment, c'est agréable. On est du coup un peu en appui sur les fesses quand même, hein. on a beaucoup de poids sur le cul, mais chose que j'ai remarqué pour le moment, moi j'ai pas trop poussé dans les courbes et pas trop j'ai pas trop pris de dodane ou de bosse, mais je sais que les vieilles Diavel, ils étaient très très tape-cul. Ils ont augmenté, il me semble, de 20 mm la... Waouh, merci madame. Ils ont augmenté de plus de 20 mm la course de suspension. Donc on va agrémenter ça va être surtout pour agrémenter le confort. Et moi personnellement j'aime bien. J'ai toujours été quelqu'un qui aime avoir un peu de course dans la suspension. J'aime bien les transferts de masse. J'aime bien changer l'assise de la moto. C'est le genre de choses qui me plaisent. Donc ça, c'est cool, parce que c'était censé être très très rigide, l'ancienne Diavel. Donc voilà, ça, c'est bien, ça c'est le premier truc. Mais non, le premier truc qui m'a choqué en partant, finalement, c'est l'embrayage. Donc, vous savez, je suis vraiment... je ressors un peu les mêmes choses, mais c'est vrai que généralement, quand j'essaye tout ce qui est embrayage hydraulique italienne, je critique, j'aime pas trop. Je trouve pas que c'est des super embrayages, où on a beaucoup de retours d'information. Et c'est un peu on-off, quoi. Ça fait un peu switch. Là, l'embrayage est doux, pas dur, doux et un bon feeling. Donc, pourtant, c'est le mètre cylindre d'habitude hein, que je vois sur les Ducati. Je sais pas ce qu'ils ont changé, mais j'aime bien cet embrayage. J'aime beaucoup. Après, en termes de l'ergonomie du pilote, on a un guidon haut. Hein, donc position ouais, un peu voilà un guidon haut, donc on est confort
Donc, pneumatique d'origine, on est sur du Pirelli. Donc ça, tout va bien. De toute façon, c'est Ducati. Hein. Ah ouais. Oh. Ah ouais, effectivement, ouais. Une, deux, une, deux. Bon, ça reste... Bon, ouais. Eh, c'est pas un super bot. Faut pas croire. Mais c'est sûr, quand on voit ce pneu arrière de 140, ça choque un peu. On se dit, ouais, ce truc, ça va jamais prendre un virage. Eh ben si. Enfin, c'est ce que tout le monde dit, j'ai pas encore attaqué les virages. Mais là, je parle de ce que j'ai entendu. On va aller voir ça bientôt, on y arrive. Là. Ouais, ces belles montagnes là. Oh là là, regardez-moi ça, putain. Elle est pas belle, notre région. Hein? Elle est pas belle, notre région. Oh là là. J'ai envie de mal parler des Parisiens, mais je vais rien dire. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Mais je vous avoue qu'il y a un autre truc qui me choque, c'est le confort, l'agrément de ce moteur. Là, je suis en ville, je suis à 50. Oh, c'est que du kiff. Rayon de braquage. Waouh, putain, mais même le rayon de braquage, c'est hyper respectable, quoi. Même, je dirais que c'est plus que respectable, c'est que ça marche bien. Bon, pour les plus affûtés, hein, vous remarquerez qu'on est passé en mode sport et qu'il y a le petit canard, le petit logo du canard sur le compteur. Ces petits autocollants, si vous voulez soutenir la chaîne, ils sont dispo, vous pouvez les acheter. Vous me contactez en DM sur Instagram et sur Facebook. C'est voilà votre petite manière de me payer une bière si vous appréciez les vidéos et vous voulez la soutenir. C'est comme vous voulez, je m'en fous. C'est des autocollants 100% made in France par mon pote à Wish Graphics, Nathan. Si vous avez besoin de covering, il est top. Et voilà, deux tailles, les petites tailles comme ça. Il y a les, ça c'est 5 cm, il y a des 7 et des 7,5. Voilà, fin de la pub. Cette vidéo est sponsorée par Raid Shadow Legends. Non, je rigole. Visuellement, c'est quand même un gros changement par rapport à la vieille. Hein. Donc, la Diavel, j'ai jamais été très fan du look, personnellement. La X-Diavel, je suis fou de cette moto. Je la trouve absolument magnifique. Ce cadre tubulaire, le moteur 1260, enfin, le Diavel, c'est vraiment, voilà, malgré la position un peu cool, elle est rigolote. Là, on est sur une position, on va dire, un peu plus standard. Donc là, on va commencer à enrouler un peu, on va commencer à mettre un peu de rythme. Alors déjà, je peux vous dire, putain, cette moto, elle est plantée. Voilà, long empattement, forcément, veut dire stabilité. Ça veut pas dire agilité, mais ça veut dire stabilité. J'ai oublié d'accrocher mon sac. Alors on a un guidon assez large. Encore une fois, heureusement, pour emporter un petit peu ce long empattement. Après, voilà, c'est une moto qui est basse. Donc on a un centre de gravité bas. Ouais, c'est très planté. Oh, le freinage, bon vent. Le freinage. On est sur du stylema, les gars. Je vous assure que ça freine. Voilà, là, on passe sur une route un peu tapis. Ça bouge. Salut, tu peux rester dans ta voie, s'il te plaît. Merci. Toi, est-ce que tu peux te rabattre? Merci. Ah, ça bouge, c'est bien. Mais c'est pas tape cul, voilà. Ça, je peux vous assurer que c'est moins tape cul que la vieille. Ou que la X-Diavel. La X-Diavel, c'est vraiment tape cul. Ça, par contre, je suis monté dessus. Ça tape au cul sévère. Donc, effectivement, c'est une moto qui va être plus. Ça va être plus vivable dans la vie de tous les jours. Bon, c'est pas tout, mais moi, je m'en rappelle que la Multistrada, ça chantait, quoi. On avait le bruit de l'induction, là. Ouais, ça marche. Ah ouais. Ouais, c'est stable, c'est planté, elle se place facilement. Wow, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. 220 kg, c'est léger pour une sportive, quoi. Ben, peut-être pas quand même, mais c'est léger. 224 kg pour un truc, quand tu vois la taille du bordel, putain, tu dis, c'est 250 kg ce truc. Ouh. Ah, ça chante. Ah putain, j'étais qu'à 7000 tours. En fait, justement, un cruiser, tu t'attends pas que ça...
Ah ouais, tu te places bien en plus. La selle, elle est agréable. Elle est confortable, la selle, mais c'est un bon compromis. Oh, oh putain, rodage. Rodage le canard, le rodage. Oh putain, le canard, tu fais le con. Allez, calme. Calme. Ouais, donc, ouais, bon, le moteur, il est canon, hein, le V4, il grogne, il est énervé, le V4, il est pas content. Et c'est, voilà, Ducati, il cale ce moteur d'une façon particulière qui fait que ça chante un peu comme un V2, en fait. Il n'y a pas vraiment une sonorité comme les Aprilia, tu sais, où vraiment c'est distinctif, un V4. Voilà, c'est pas un V4 aussi distinctif que la Tuono. Mais ça chante, je vous rassure, c'est très très agréable. Les oreilles ne se plaignent pas du tout. Je serais presque curieux. Ah, désolé mec. Bon. Point, mais ça reste quand même quelque chose. Voilà, faut la placer, faut changer d'angle. On choisit sa trajectoire et on la change pas trop quoi. Ça reste une moto à long empattement. Après, c'est génial. Hein. La garde au sol aussi, je suis étonné. Ouais, putain, tu peux mettre de l'angle aussi. Ça, c'est choquant. Il me semble que c'est un peu la maladie des anciens Diavel, surtout avec la X. Ah ouais, ça frotte. Ouais, bon, ok. On trouve les limites facilement. Mais, ouais, on peut mettre de l'angle. Je suis étonné, on peut mettre de l'angle. Après, voilà, ce qui est rassurant avec ces motos, c'est qu'une fois on fait frotter, voilà, on a son repère. On sait qu'il ne faut pas aller plus loin. On sait où on en est par rapport au châssis de la moto. Pour moi, sur des motos comme ça, je trouve que c'est une bonne chose. Non, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'est carrément sportif. Tu m'étonnes qu'ils appellent ça un cruiser sportif. Là, tu vas faire rougir. Tu vas foutre la honte à des roadsters et des sportifs sur route avec ça. Quelqu'un qui manie l'engin. Ouais, tu peux vraiment mettre de l'angle. Hop là. Bon, je peux dire, j'ai fait frotter les deux côtés. Ouais, bon. Il y a quand même une limite. Mais en fait, ce qui est sympa, c'est que on sait où est la limite. Et après, on va pas aller chercher plus loin. Bon, on va se trouver un petit coin sympa, là. Et on va se faire un petit walk around où je vais vous présenter la bête d'un peu plus près. Parce qu'il y a quand même des choses à dire sur cette moto. Parce que bon, là, je sais que c'est très positif, mais bon, on va entamer, moi, mon point de vue personnel, bien évidemment, mon opinion négative de cette moto. Alors, on va lancer le walk-around, à tout de suite. Bon, je vous reprends pour 2 secondes. Un de mes chagrins, par contre, de quand on a le contact sans clé, ouais, c'est qu'ils foutent pas ça sur le putain de couvercle de réservoir. Putain, mais sérieux, les gars. Si vous faites les choses sans clé, faites tout sans clé. Parce que là, du coup, c'est relou. Je dois sortir la clé. Regardez-moi ce mastodon. Et puis ça plombe. C'est pas léger. Putain. Donc là, il faut que je sorte la clé. Donc en fait, finalement, ça. Oh, ça touche. Mais non. Ils ont pas fait ça quand même. Ça filme là? Ouais. Ah putain, c'est ouf. Vous voyez que ça touche la clé. Bon, mais ça va marquer la clé, les gars. Ouais, hop. Voilà. Tu vois, ces genres de petits détails là. Tu vois, ça va marquer la clé, ça. Ah là là. Les Italiens. Deuxième chose qui est con, j'ai rangé la clé. On peut pas fermer. Il faut fermer avec la clé, putain. Putain. Ah ouais, ok. Il y a une position intermédiaire. Ouais. Ah ouais, mais c'est. Oh merde, j'ai fait le con là. Ah putain, je te jure, c'est italien. Bon, allez, vous savez quoi, regarde, on va faire le walk-around maintenant avec nos amis. C'est parce que la moto est rouge. Ah mais oui, vous inquiétez pas les filles.
vous inquiétez pas. Je vais même pas démarrer le moteur. Là, allez. Ouh. À pousser, un peu lourd, mais bon, ça va. Ça va les filles. Vous êtes belles, dites donc. Mais non, tout va bien. Sont bonnes tes narines. Allez, on s'occupe de cette diable. Bon, où commencer? Alors la voici. Bon. Soyons francs. Je ne vois pas où il y a 27 000 euros de moto. Très franchement. Pour commencer, énormément de plastique. Ça, j'aime pas du tout. Ça fait hyper kitsch. C'est du plastoc. C'est censé ressembler à de l'alu. C'est du plastoc. C'est censé simuler un cylindre. Ils ont même mis genre des fausses vis. Enfin, c'est... Désolé, je trouve ça vraiment très moche. Quoi d'autre? Bon, l'échappement, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Je trouve ça très moche. Les jantes, j'aime bien. Très joli, rien à dire. Repose-pied arrière, plié, qui se range comme ça. Je trouve ça très bien. C'est pratique et tout. Bon, impossible de les enlever, mais pourquoi pas. Le seul truc, c'est que je trouve ça, c'est pas, ça tient pas super fort. Et j'ai peur qu'avec le temps et l'usure, tu sais, ça tiendra moins. C'est, je sais pas, je trouve ça un peu léger. Bon, les phares arrière, faut que je vous montre ça. Parce que ça aussi, c'est une histoire des goûts, des couleurs. Voilà les phares arrière. Bon. Perso, j'aime pas. Ça fait très kitsch, je trouve. Kitsch. Ça, c'est la poignée télescopique du passager. C'est sympa aussi, je trouve que c'est bien intégré. Voilà, là, la moto, elle fait vraiment épurée. Bon. Ensuite, je reste sur la finition. Regardez-moi ça. C'est normal. C'est pas un cran qui a été loupé. Là, vous voyez, il y a le capot de selle. On peut le retirer en poussant. Vous voyez ça? Alors, sur une japonaise à 10 000 euros, je veux bien. Et encore. Mais sur une Ducati à 27 000 euros, je suis désolé, mais je trouve ça inacceptable. Regardez-moi ça. Il y a des trucs comme ça sur cette moto qui me fait halluciner. Ça, c'est pas des vraies entrées d'air. Alors, l'air rentre ici et sort là, oui, d'accord. Mais en fait, si je vous allais pas réussir à voir dedans, mais en fait, il n'y a pas de ramère. Hein. C'est pas du ramère. C'est, voilà, c'est esthétique. Et c'est du plastoc. Ah, peut-être pas. C'est moulé? Ah, peut-être c'est moulé. Bon, bref. 27 000 euros, pourquoi? Ça va mal vieillir. Ça, c'est un alliage, ok, mais ça va mal vieillir. Clignotant fixé sur le guidon comme ça, pourquoi pas? Je suis pas très fan. Ça, non, ça touche pas. Bon, ça bouge comme ça. Ok, c'est qu'il est tombé un peu. Donc ça bouge. Hein. Clignotant, est-ce qu'on a les clignotants qui défilent là-dessus? Comme les Jackie Tuning, on va voir. Oui, on a les clignotants qui défilent. Pareil, j'aime pas. Je suis très négatif, je sais. C'est le même cas derrière. Les repose-pieds pointus aussi, j'aime pas. Pour moi, c'est... Pour moi, clairement, ça doit être interdit, quoi. C'est... Je suis désolé, je trouve ça hyper dangereux, quoi. Quand c'est pointu, imagine, vous tombez, la moto, ça tombe sur vous, ça se cale. Enfin, je sais pas. Cette plaque alu. Petite plaque alu comme ça. Plastoc, il n'y a pas un pet de carbone. Il y a du carbone nulle part. 27 000 euros, même pas fichu de nous mettre un petit peu des jolies pièces. Enfin, j'ai pas envie d'être aussi négatif. C'est pas mon style, vous me connaissez. Mais là, même ça, regardez. Le plastique ici, là. Oh, putain. Plastoc. Bon, le réservoir métal, heureusement.
Bon, bref. Il fait beau, je suis au pied de la montagne. Oh, toutes mes copines sont parties. Ouais, je vais leur faire chier à parler de Ducati, là, elles sont là-bas. Bon, allez, je vais reprendre la route et on va faire une petite conclusion. À toutes. C'est quand même une moto très bien équilibrée, quoi. Même pour les manœuvres, c'est voilà, vraiment, c'est ouais. En fait, cette moto, pour moi, elle est en deux parties. Je suis impressionné par la dynamique, agréablement impressionné par la dynamique, mais énormément déçu par la finition. On dirait que, en fait, Ducati, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé de sortir la Diavel, mais ils ont essayé de garder un tarif, on va dire, bas. Sauf que le tarif n'est pas bas. 27 000 euros pour avoir des finitions comme ça, là. On voit le câble du clignotant. Je veux dire, ça, c'est le genre de truc pour une moto à 27 000 euros. Tu le fais passer à l'intérieur, le clignot. Alors oui, c'est chiant parce qu'il faut faire passer des câbles dans le guidon, mais tu le fais. 27 000 euros pour moi, c'est un premium. C'est du haut de gamme. Là, ce n'est pas une finition haut de gamme. Oh, le freinage, il est canon aussi quand même. Putain, le frein arrière, il est magique. Il aide vraiment. Sur une moto comme ça, le frein arrière, il aide vraiment. Vu que c'est une moto qui est très équilibrée, donc t'as pas de poids à l'avant, t'as pas de poids à l'arrière, c'est vraiment sous ton cul. Utiliser ce frein arrière pour se poser le cul et stabiliser la moto, c'est pas mal. Donc, ouais, c'est... Donc, ouais, il y a une part de moi qui veut aimer cette moto parce que elle est folle. C'est une moto, voilà. Les gens qui achètent une Diavel, ils veulent une Diavel. La moto est unique. Dans son genre, elle est unique. Il n'y en a pas d'autre. C'est voilà, les gars qui veulent une Diavel achètent la Diavel. Il n'y a rien d'autre sur le marché. Alors oui, tu peux me parler de Rocket 3. Oui, tu peux me parler de... Je sais pas, d'une Harley ou d'un truc. Laisse tomber. En termes de dynamique, ça n'arrive même pas au genou de cette moto. Cette moto, c'est vraiment la définition d'un cruiser sportif. La Rocket 3, oui, il y a du couple à chier. Oui, elle est puissante. Oui, d'accord. Mais ça ne marche pas comme ça. En ligne droite, peut-être, mais même, c'est vraiment, en termes de sensation de pilotage, cette moto est au-dessus de tout le reste du marché. J'en suis convaincu. Par contre, là, quand tu vois une Triumph Rocket 3 à l'arrêt et que tu vas la voir de près, tu fais waouh, la moto elle est magnifique, la finition elle est incroyable, la peinture est belle, le chrome est beau, l'aluminium brossé est sublime, tout est beau sur la Rocket 3. Là, je suis désolé, mais c'est une moto qui est belle de loin. Tu te rapproches. Ah, ça pique les yeux, quoi. Je comprends pas le tarif de cette moto. Alors oui, encore une fois, vous me connaissez, ceux qui regardent mes vidéos, je suis souvent en train de dire quand j'achète des Ducati, ah c'est cher, ah c'est cher, ah c'est cher. Mais il y a une taxe quand on achète Ducati, une taxe italienne qu'on accepte. On dit ok, on achète Ducati, bon. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais voilà, on accepte. On accepte. Là, par contre, c'est inacceptable. 27 000 euros. 27 000 euros pour des faux cylindres en plastique. Et ils ont même pas été foutus de nous foutre des vrais plaques en alu. C'est du plastoc. Putain. Mais what Ducati, vous pensiez à quoi? Alors oui, vous avez amélioré la moto en tous les sens du terme. C'est plus léger, il y a plus de technologie, c'est mieux sur l'essence, le freinage est monstrueux, le moteur est monstrueux,
la moto te fait kiffer, elle est géniale et tout. Oui, oui, ok. Salut mec. Désolé pour le rodage, mais bon les gosses, c'est trop adorable. Je suis obligé de caler un rupteur pour les gosses. Enfin c'est... Ah ça me frustre parce que je veux la kiffer cette moto. Je veux la kiffer. Je la kiffe. Mais juste à rouler. Et pour moi une moto c'est pas juste la conduite. C'est tu veux t'arrêter, tu veux la mater, tu veux l'admirer, tu veux la kiffer la moto. C'est-à-dire, honnêtement, ça va être peut-être extrême ce que je vais dire. Mais pour moi, il y a même des japonaises mieux finies que cette moto. Pour bien moins cher. Bien moins cher. Après voilà, et là tu commences à mettre un nombre de fils de pute. Et c'est génial. Et c'est génial. Donc c'est... Il y a vraiment, c'est plein d'émotions sur cette moto. Enfin pour moi c'est... Ah, je veux kiffer cette moto mais je peux pas. Je suis désolé. €20 000, j'aurais dit ok. Et même €20 000, j'aurais dit un petit peu cher, mais bon, 21 000, je commence à dire qu'il pousse le bouchon. 22 000, j'aurais dit non, là c'est trop cher. 27, désolé Ducati, mais là je peux pas quoi. Je kiffe la moto, mais c'est inacceptable pour le prix. Mais bon. Si vous en foutez, et vous, c'est juste le pilotage qui vous intéresse, vous voulez un cruiser sportif, vous avez intérêt à cracher, aller à la banque et faites-leur cracher les 27 000 euros parce que c'est cette moto qu'il vous faut, il n'y a pas à chier. Oh, un faux point mort. Dis donc, un faux point mort. Bon, la boîte est neuve. Je valide. C'est... Ah. Je voulais la kiffer cette moto, mais je peux pas. Bon, ça va pas trop saler là, le score final, mais voilà, c'est loin de peut-être ce que les autres journalistes auraient dit sur cette moto. Ouah. C'est un 7 sur 10 pour moi. Ouah. Et quand j'ouvre la poignée, j'ai envie de mettre 8. Vous voyez, c'est ça cette moto, c'est voilà. T'ouvres la poignée, t'as la banane, t'es mort de rire. Ah, le frein arrière sur cette moto, elle est... Le frein arrière est magique. Je crois que le frein arrière, ça va être ton meilleur ami sur cette moto. Alors le freinage avant, hein. Ouh, ça freine. Ça freine sa race. Mais votre meilleur ami, ça va être le frein arrière. Il est vraiment top. Putain, Ducati, enfin, vous avez fait un bon frein arrière. Et c'est même pas sur son... Bon, après, j'ai pas essayé les dernières Panigales, mais... Ah, parce que là, vous placez la moto sur le frein arrière, vous arrivez sur la corde, et là, plein gaz, oh, mon dragster, wouh. Ouais, c'est magique. Ce frein arrière, il est magique. Allez, on va conclure, là. En tout cas, un gros merci à Bike Avenue, parce que, en fait, justement, c'est grâce à eux que je peux être aussi honnête avec vous, hein, parce que, bon, c'est sûr que... Ils m'ont toujours dit, sois honnête, dis ce que tu veux. Et à ce niveau-là, c'est top. Il n'y a pas... Je suis 100% sincère avec vous. Après, voilà, je peux avoir tort aussi. Tu sais, les opinions, je dis pas que la science infuse. Et justement, si vous n'êtes pas d'accord et vous trouvez que les 27 000 euros sont justifiés, on en parle dans les coms. C'est mon plus gros plaisir sur YouTube, c'est de parler avec vous dans les commentaires. Donc venez échanger. Si vous voulez essayer la Diavel pour vous, par vous-même, allez voir Bike Avenue, le concessionnaire Ducati KTM à Pau. Et ils sont, bon, c'est une super équipe, ils sont top. Et c'est grâce à eux que j'arrive à vous faire des vidéos essais avec, sur des motos aussi exotiques que celle-ci. Donc voilà quoi, allez les voir, essayez cette moto. Si vous voulez essayer, donnez-moi votre opinion dans les coms. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion à moi sur le prix, on va dans les coms. Voilà quoi. Et voilà. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire.
Allez, sur ce, ciao les gars. Bon les gars, on se retrouve à Bike Avenue. En fait, j'ai oublié de vous parler aussi d'un truc qui est pas mal. C'est qu'on a ce truc là, le Bluetooth. On va essayer, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, parce qu'il y a des navigations, des statistiques à récupérer, des trucs comme ça. Donc, on va tester ça, jumelé. Ok, donc là normalement on est connecté. Putain, mais associe, con. Oh, ça me saoule. Je déteste, merde. C'est mon téléphone qui bug ou quoi? J'ai aucun problème normalement. Je peux pas. Putain. Donc, en gros, voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Quitter. Ok, donc là, on voit bien qu'on est connecté. On a le logo là. Bon, l'application, elle avait 2 étoiles sur 5 hein, quand je l'ai téléchargée. Donc je sens que... Bon les gars, j'ai réussi. Il y a mon nom et mon prénom, donc c'est pour ça que je tiens le téléphone de cette manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai appelé la moto Yamaha Better. Et en gros, voilà, donc en fait, tu as ta musique, tes appels, tu as un système un peu d'itinéraire, des gens aussi qui ont des Ducati autour de toi, le GPS, donc tu auras du GPS en fait ici sur le compteur. Tu as même des statistiques si tu veux te la péter. T'as l'inclinaison, ta vitesse de pointe, la puissance à quel régime moteur. Enfin voilà, c'est un truc assez complet, hein, distance totale, donc tu as tes kilométrages, là t'es en mode sport, donc tu peux changer ton mode à partir du téléphone. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. C'est pas mal. Après, faut aimer tout ça. Moi, c'est pas mon délire. Moi, justement, je roule en moto pour déconnecter. C'est pour la portée de chacun, mais écoute, en tout cas, c'est sympa à voir. Donc, il y a toutes ces statistiques, inclinaison, nanana. Donc, pour se la péter avec ses potes, genre, regardez mon inclinaison max. C'est le bon plan pour se casser la gueule. Bon, allez, bref, fin de la parenthèse. Et là, je vous dis vraiment, ciao.